Nadia. Je suis maire adjointe à la ville des Mureaux et je suis aussi porte-parole du mouvement Île-de-France en commun qui présente la candidature d'Audrey Pulvar pour les régionales de 2021. C'est un rassemblement de plusieurs forces de gauche, dont le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, Place Publique, Allons Enfants et encore bien d'autres. Nous voulons proposer un projet différent, une véritable alternative pour une région plus juste et plus écologique. Aujourd'hui, la gestion de Valérie Pécresse est une gestion comptable, qui est de la gestion entre soi, mais qui oublie ceux qui en ont le plus besoin. Lorsqu'on voit l'état dégradé des lycées, ou encore les aides qui ont été supprimées pour la mobilité, eh bien nous nous engageons avec notre mesure phare qui est celle de la gratuité des transports en commun. Oui, c'est possible. Oui, cela va demander un effort. Mais pour la première région de France et une des plus riches d'Europe, nous estimons que c'est possible. Et que c'est aussi une façon de transformer notre région et d'en faire une région qui soit celle de la transition écologique et de la justice sociale. De la même manière, nous nous intéressons au sort de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Audrey Pulvar est venue à la rencontre des syndicalistes de l'usine Renault. Parce qu'il faut soutenir le savoir-faire qui y est et les entreprises et notre bassin industriel. De la même manière, on va s'engager pour un logement plus abordable dans toute la région Île-de-France. Travailler à une rénovation et à une création de logements qui soient avec un capital énergétique passif ou en tout cas qui ne soient pas des passoires énergétiques et donc des gouffres financiers. En clair, la candidature d'Audrey Pulvar d'Île-de-France en commun, c'est une candidature qui veut une Île-de-France plus juste, plus écologiste, avec de la justice sociale et aussi de la transition. Oh,